Plop la VOD. En regardant, depuis la fin de la vidéo précédente, en regardant mes 17 de bleu, et qu'est-ce que je pourrais en faire? Bon, l'embaumement, tout ça, ça a l'air marrant, mais il me faut 10 plus 10, en fait. Donc 20, donc j'ai pas. Je me suis rendu compte... ici, je crois... oui. Que j'avais débloqué la coupe de pierre 2. J'avais vu que... je l'avais vu, je crois, pas de la vidéo précédente, mais celle d'encore avant, que je pouvais la construire. Mais je ne l'ai pas utilisée. Donc je pense que ça va être l'objectif de cette vidéo. Utiliser la coupe de pierre 2 et peut-être faire des pierres polies ou des pierres sculptées. Essayer de s'améliorer un peu comme ça. Comme ça, on pourra peut-être... déjà voir à quoi ça ressemble. Peut-être qu'avec la coupe de pierre 2... oui, bah oui, c'est ça, on peut faire les pierres tombales un peu plus jolies. Donc ça peut nous apporter que du bénéfice pour la suite, pour le cimetière. Alors, et j'ai pensé aussi qu'il faut que je fasse l'étude de ça. Alors on va passer par le sous-sol. Pim pim. Ah. Je pourrais faire l'étude de tout ça, mais non. Voilà. Ah oui, je suis passé de 17 à 37. Oui, oui, bah, j'aurais peut-être pu le faire avant. Et je suis pas sûr d'avoir fait la même chose pour ceux en bois et pour la clôture. J'aurais pu le faire avant. Tant pis. Amélioration du cimetière, non, pas vraiment. Alors, on a dit améliorer tout ça. On va quand même... poser les pierres tombales au moins dans le coffre. Voilà. Et regardez ce qu'il nous faut pour le coup de pierre 2. Alors sachant qu'il m'en faut... il m'en faut un ici absolument. Attendez. Donc j'y pense aussi. Est-ce que en fait le zombie je peux l'enlever? Je peux le faire moi-même ce truc. Ah non, c'est vraiment... seulement les zombies peuvent travailler ici. Bon, du coup, je passe par l'intérieur. Pim 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 pim. Pidibim. En to-do list comme sur Satisfactory là, je regarde quelques streams. C'est vrai que là le nombre de trucs à se retenir, ça serait pratique. Donc 5 planches, 8 d'os et 18 clous. On s'en fiche. Large, au pire des 200 grabs, c'est pas gênant. Je suis pas sûr que j'en ai en grab. Alors,
dernier. Ah oui, ça prend beaucoup plus de place. Je vais le mettre là, si je peux. Ça coûte quoi déjà le bio? C'est bien le bio ça. Parce que je vais le pousser pour éviter de me refaire bloquer en même temps. Alors, retirer. Il est où mon curseur? On va retirer ça et on va retirer ça. Plus d'énergie, oui. J'ai plus d'énergie du tout. Non. Par contre, retirer de l'eau au puits, c'est pas intéressant pour tout de suite. Pas les stocks, le coupe-pierre. Mettre là et au moins le zombie ne m'aurait pas bloqué, je pense. Juste le bio. Je pense que le bio va falloir le pousser sur une autre case. Pas ici, du coup. Là. Je pense que ça va me rebloquer. Non. Je vais le mettre là. Ok. Et le coupe-pierre 2. Est-ce que je le colle ici? Je vais plutôt le mettre là. Alors, coupe-pierre 2. Est-ce que j'en ai besoin de 1 sur ma mine de zombies, je ne sais pas. Bah voilà, avec... Non, ça c'est pour décomposer. Donc, à partir de une veine, on fait 5 minerais, je crois que c'est pas mieux. Et pas mieux. De mémoire, c'est pas mieux. Ok, très bien. Bah voilà. Pour faire de la pierre polie, soit on utilise un burin en fer, pas en acier, soit on utilise de la pâte à polir. Donc la pâte à polir a son utilité, enfin. Ajoute 4, ajoute 3. Pourquoi ajouter 3 quand on peut ajouter 4? Parce que ajouter 4, ça demande des pièces de fer complexes, voire des pierres sculptées. Ok. Brique polie. Brique de pierre polie. Du coup, la pâte à polir, on va pas l'utiliser tout de suite. C'était où? C'était là. J'ai encore oublié d'aller voir Mademoiselle Charme. Est-ce que je tente? Non, c'est déjà trop tard. Du coup, on va se coucher. Je peux faire le troisième... J'ai oublié ce qu'il faut pour la palette, mais... D'ailleurs, en parlant de palette... Je vais essayer de faire les 10 prospectus pour avoir le troisième renommée, pour avoir la troisième palette, même si je ne produis pas autant de palettes. Alors, prospectus, c'était à côté. Oui. 5, il m'en faut 5 de plus. Ça me donne un peu de bleu d'ailleurs, j'avais oublié. Alors, en fait, tout ce qui est écriture, ça donne un peu de bleu. Moi, je fais l'aller-retour, tant pis.
toute façon, j'ai pas besoin. Entre guillemets, j'ai pas besoin de. Voilà, 6 d'os. J'ai pas besoin de faire la palette pour que lui soit content. Notre entreprise est maintenant réputée. Génial, je comprends mieux pourquoi le boulanger m'a offert une tarte gratuite ce matin. Les gens commencent à parler de la qualité supérieure de nos produits. J'ai vendu une caisse. Dommage que nous ne puissions pas vendre plus de 10 caisses par semaine. C'est une restriction liée à la licence. Mais meilleure sera notre réputation, plus nous pourrons monter nos prix. Nous pourrons bientôt songer à étendre notre chaîne de production. Vous savez que la ville ne se contente pas de pain et d'eau. Ok. Ok. Pour moi, c'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix, je crois. À vous de revenir 10 secondes en arrière et de me le dire dans les commentaires. Ou au pire, tant pis. On a dit 6 d'os. Je peux peut-être le faire. Si, c'est là. Bim, 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 bim. Là, j'avais des oignons. Ah ouais, c'était déjà des oignons argentés. Que lui va me prendre des dos et que... C'est 44 oignons. Ou 32 citrouilles. C'est beaucoup trop cher. Un de bleu. Pas de quoi se dire je fais full pierre polie. Et du coup oui, vu que ça ne produit pas énormément, enfin ça ne produit pas plus de pierre ou de fer à partir d'une même veine, vu que ça n'en produit pas plus, c'est pas intéressant de d'en faire là-bas, d'améliorer le coup de pierre au niveau de mes mineurs de zombies. Ils n'en produiront pas plus si je leur mets un niveau 2 plutôt qu'un niveau 1, donc pas besoin. Je sais pas pourquoi certains ne voulaient pas me rentrer dans mon inventaire. Si DOS c'était pour la ville, je peux passer en ville vendre.
vendre le certificat d'inhumation. Il y a un autre truc. À la limite, vendre les déchets agricoles. Tlim, pim, pum. Poli, pim, pum. Ça sert pas à grand chose, mais ça me rapporte pas non plus grand chose de les vendre. C'est quand je vois que j'ai un stock énorme que ça devient intéressant. Ça sent l'oignon, c'est mon légume préféré. Les oignons, c'est ça qui fait tourner le commerce. Comment ça? Ouais. Je sers les oignons frits et du pain à l'oignon. Comme ça, donne soif aux gens, ça me permet de vendre de la bière. Je pense qu'ils le sont faits l'un pour l'autre. Si vous aimez les oignons, je peux vous apprendre quelques recettes, mais n'oubliez pas de les manger avec de la bière. Ha ha! Oh, recette beignet aux oignons et toast aux oignons. Les toasts aux oignons, j'avais vu que c'était intéressant pour les plats. Pourquoi il me l'a donné maintenant alors que j'en avais déjà avant? J'en ai même pas récolté. Si, peut-être depuis que je l'ai vu. Quoique, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc louche. C'est peut-être parce que j'ai commencé à vendre des trucs et du coup il dit « il vend des oignons ». Je sais pas. Bref. J'ai 40. Poisson élaboré. Ça veut dire qu'il faut que je pêche pour avoir les bons poissons. Bon pour la santé, je sais pas. Pas exactement ce qui va se cacher derrière. Pâtisserie, ça va être pour les croissants. Et tartes, les tartes, c'est bien. Tartes, c'est bien. Les pâtisseries, ça peut être rigolo. Ça... 16. Je suis riche. Et donc, nous avons... Rien n'est verrouillé du tout ici. Mince. On a déverrouillé les snacks apéritifs. La bière a bien meilleur goût maintenant. Ok. Mais ça, c'était Oradric. Les poissons simples, on les avait déjà. Vu que la soupe aux poissons, je les avais déjà faites. Ah, faut les utiliser. Ok. Poissons élaborés, vous avez déverrouillé une nouvelle technologie obtenue. Recette saumon fumé. Recette poisson royal. Ok. Ok, elle ne va plus rien me donner. Ensuite, bon pour la santé. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu soupe à la citrouille, poêlée de citrouille, lentilles. Les citrouilles, c'est sympa. Les lentilles, pourquoi pas. Oh, des crêpes, croissants et muffins. Les crêpes, je m'y attendais pas. Les croissants et muffins, un peu. Et les tartes aux baies et tartes aux raisins, ça, c'est ce que je voulais. Voilà. Je suis un peu impulsif comme personnage, comme humain déjà. Et du coup, je crois que ça s'est ressenti là-dessus. Que je restaure ça. Je peux la réparer ou retirer, oui. Mais là, il faut un papier avec des calculs. Avec le meunier. Genre, je suis à 0. Est-ce que j'y suis presque? Non, je ne crois pas. Serpent. Ok. En plus,
plus, à chaque fois, je me dis, je pourrais le faire quelque chose. Mais pour faire du blé et que ce soit intéressant, il me faut du houblon. Les carottes, oui, c'est vrai, je peux en faire l'infini. Des betteraves. J'ai pas de raison, en fait, j'ai pas de... Vu que c'est pas de qualité supérieure, j'ai pas de raison plus que ça d'en faire. Ça ici, je pose ça là, j'ai oublié de poser les citrouilles et là j'ai oublié de poser les déchets agricoles. Ok, la palette, j'ai oublié de faire la palette. Je peux faire une caisse de... Ah si, les lentilles. J'ai pas assez de lentilles en argent non plus. Si là il m'en fallait 6. 6. Là, je suppose que si j'avais eu un zombie, il l'aurait ramené lui-même. On va voir serpent juste après. Ça. Là, il va me dire 0. 0. On en produit la suivante. On va toutes les aligner. On va voir serpent. C'est par ici. Alors, Necronomicon, les choses que j'ai. Ok, non, il n'y avait vraiment rien avec serpent. Ici, c'est combien de crânes? C'est 10, 5. Hop là. 5, ok. Je vais peut-être pas faire du vin tout de suite, je sais pas. Je vais pas faire du vin tout de suite, je vais regarder la... les recettes. D'ailleurs, en parlant de regarder les recettes... Ah bah si, là, ça c'est presque tout rempli du coup. Donc les poissons sont ici. Bon pour la santé, tarte et pâtisserie. Donc il n'y a plus que un truc que je sais pas faire. Une recette, une série de recettes plutôt, qui me reste à découvrir dans le jeu. C'est bizarre de se dire que malgré que je sais pas du tout où j'en suis et que j'ai l'impression d'être vers le début, quoique j'ai déjà joué plus de 24 heures au jeu de ce que j'ai vu récemment, avec la durée des VOD. j'ai déjà presque fini à 100% un truc quoi. Après c'est un presque en mode je sais pas comment on le fait. C'est pas un presque en mode ouais il me reste plus qu'à parler à machin, lui donner truc et... non non je sais pas où c'est donc c'est pas pour tout de suite.
le hamburger. Mais je n'ai même... Enfin, je n'ai pas d'oignon de niveau or. Et c'est des hamburgers dorés qu'il faut pour les sorcières. Il faut du houblon aussi. Là, je l'ai. Ça me va. Vert et rouge. Ok, là-dedans, il n'y a rien, en fait. Ou pas grand-chose, du moins. Métabolisme lent. Toutes les améliorations durent plus longtemps, d'accord. Sommeil profond. La récupération d'énergie en dormant est augmentée. Très bien. Soupe à la citrouille, sommeil profond. C'est quoi? C'est les cruches de lait, d'accord. Soupe à la citrouille. Ici, muffin. C'est de la pâte brisée. C'est... Oui, c'est la pâte feuilletée qui est plus embêtante à faire. Les croissants, c'est la même recette. Sauf qu'il faut un œuf en plus. Tarte au raisin. Voilà. Donc la pâte feuilletée, la compliquée à faire de mémoire. Et je peux mettre les raisins de la qualité que je veux. Ok, donc là... Hein, j'ai mon premier plat doré que je peux faire, quoique... Je pouvais déjà le faire avec le gâteau. Oui, je pouvais déjà être, je pouvais déjà avoir un plat doré avec le gâteau sur le troisième slot. Donc en soi, ça ne m'a pas beaucoup avancé. C'est où? Là. Si je peux, si j'ai des oignons dorés, je peux faire ça. Il faut les oignons dorés. Crêpe argentée. Je les ai pas vus les crêpes dans le four. Si j'ai des oignons dorés encore. Ok. C'est quoi? C'est des soupes à la citrouille que je peux faire. Ok. Oh là là. En tout cas, du coup, là, j'ai le choix entre... Reviens à ton état de base. C'est comme ça que je comprends mieux les pourcentages. 63%. C'est pas mieux. Mais le gâteau, je pouvais le faire à 100 plus 63. Et la tarte au raisin, au final, c'est pareil. Ok. Tarte au raisin, tarte au baie. Oh, la tarte au baie, c'est avec du jus de baie. Ok. Oh non, j'en ai fait une sans le four. Tant pis. Alors. Un produit des lingots. Je sais que ça me sert. Oula. Je sais que ça me sert pas à grand chose, mais. Non! Je pensais que je remplissais le feu. Bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir faire beaucoup, beaucoup d'acier. Au sous-sol. Tarte au raisin, tarte au raisin. Ah. Tarte au baie, oui, très bien. Je suis vraiment nul. Voilà.
Ok, c'est bon. Alors, j'en ai deux en bronze. J'en ai deux en argent, mais j'en ai qu'un en or. On va commencer par le bronze. Ici. C'est le houblon, j'ai déjà fait l'alambic. Houblon. Il en est où? Ok, il a écrit un livre de rouge. Et ça m'a donné du coup du. Ça m'a donné du rouge. Il a toujours pas fait son. Non, vu qu'il est en train de le faire. Son histoire aléatoire. Qu'est-ce que je veux faire? Récupérer les malencontreuses tartes. OP. Joue de l'homme, pas grand chose d'intéressant. La souris, je sais pas comment elle est apparue là. Pourquoi elle est apparue là? J'espère qu'elle était pas là depuis le début. Ok, non. Les crêpes. Il faut du beurre. Cruche de lait, pâte feuilletée et beurre. Aux oignons. Donc là il faut de l'huile et là il faut de la pâte feuilletée. Ok, c'est pas trop compliqué, le faux plat, ok. Le beurre, je sais pas le faire. Je me souviens pas l'avoir vu à acheter. Ouais, la pâte feuilletée c'est bien la plus compliquée. Mais ça va. Ça va, ça va. Le houblon, ça se trouve le jeu il est, enfin le jeu est souvent bien fait par rapport au... par rapport à la réalité, mais j'ai pas forcément de connaissances en agriculture, mais le genre il me faut des graines de raisin, enfin il faut des raisins pour faire du houblon, du de la vigne. Oula, je suis en train de me mélanger, mais le houblon. On m'embête beaucoup. Oula. Chaque fois je confonds. Incinération, je peux faire des lanternes, ça peut être joli. Fer forgé pour avoir l'acier 3. Enfin des pièces en acier. Ça peut me débloquer des choses. Je crois que je vais prendre ça comme ça. Accumuler les trucs un peu aléatoires. Quoique je suis à 40. Et à 40,
Il y avait... Non, ici. Astuce d'écriture. Pour améliorer un peu au moins la qualité des livres, tout ça. Très bien. Je vais regarder rapidement. Qualité des livres, à quel point ça a été amélioré. Ça se trouve, ça va être 0,1 encore et je vais être un peu dégoûté. C'est pas grave. 0,3. Donc au lieu d'être à 100 plus 10%, je crois que c'était bah, ça a un peu plus, ça a 50% de chance de quand même créer une note de son niveau. Et là, pareil, presque à 50% de mettre à son niveau. Et là, non, là on s'en fiche, c'est Joaillier qui influe. Ok. Je vais quand même. Oula, je regardais mon deuxième écran pour voir où on en était du temps et je me trompe de chemin. Je crois que je vais. Je vais me débrouiller pour un peu industrialiser la production de caisses, comme ça je serai très vite très riche. Et voilà, tout simplement. Alors est-ce que je fais des caisses avec la nourriture? En soi, si j'avais des oignons ou des citrouilles, que j'en avais 24, non. Ah oui, non, je peux pas faire des qualités supérieures. Oui, donc au final, je peux mettre. Je peux mettre genre carottes et blé. Dès que j'y mettrai un zombie, on le verra travailler. Non, ce que je voudrais plutôt industrialiser, c'est vu que mon apport en fer est garanti. Et il est fiable et facile, on va dire. Ce serait genre. Les caisses de marchandises de clous. Oula. Pour ça. Ah oui, il faut vite beaucoup beaucoup de clous. Hop. Et pour avoir des clous, il faut des lingots. Pour avoir des lingots, en fait, ce qu'il me faut, c'est à la limite les doses, comme je l'avais déjà dit, il me semble. Ça me dérange pas trop de les faire moi-même, quoique j'ai plus de stock. Ce qui me dérange plus, c'est d'être là et faire 128, je crois que c'était 128 clous. Ça m'embête beaucoup plus. Donc, que je vais faire, c'est ici. Je vais dire fabrication. Hop, une infinité. Je vais ramener un zombie, un non-mort dès que je peux. Je vais aller voir pour m'occuper aussi de l'autre côté si je peux pas en piquer un. Qu'est-ce que je regarde ? Au final, la pierre, j'en ai déjà rapporté pas mal et je l'utilise pas encore. Il faudrait que je l'utilise, mais je le fais pas encore. Mais le fer et le charbon, les deux sont très importants pour cette production continue. Donc je vais enlever un des non-morts qui travaille à la pierre et je vais le faire travailler ici. Avec celui du générateur aléatoire que je vais passer très certainement à l'agriculture.
Il devrait pas y avoir trop de problèmes. Ok, donc maintenant j'ai vraiment beaucoup de miel à chaque fois que je veux aller récupérer. Que je veux aller voir les. L'usine des noirs. Et vu que j'ai beaucoup de matériel. Il m'en faut aussi ici. Il m'en faudrait un qui me ramène au moins le bois qui est actuellement ici. Faut boire pour boire. J'ai combien de miel là sur moi? J'en ai 17. 17 de miel à chaque fois. Faut que je regarde quelles recettes se font à base de miel. Voir si je peux en tirer profit. Parce que je sais que j'en ai 30, 2 fois 30 au sous-sol. Ouais, et en plus, dès que je fais du. Dès qu'il y a 4 zombies, dès qu'il y a 4 non-morts qui en ramènent, c'est trop pour celui-ci. Toi, tu vas t'arrêter. Normalement, de toute façon, ils ont masse de stock, ça les gêne pas. Soit faut que je mette plus de coups de pierre pour me débarrasser, entre guillemets, pour qu'ils. Pardon, pour pas qu'il y ait de stock ici qui gêne. Au final, lui aussi, il sert pas à grand chose. En fait, son efficacité est vraiment pourrie. Si tu fais du déplacement à 5%, c'est moins grave. Et si tu travailles à 12, c'est bien. T'es à 10. Je peux pas voir quand ils sont ici. Bah, tant pis. Je vais faire quelques allers-retours. Juste pour essayer d'optimiser un petit peu. Alors lui, il est à 10. Celui qui travaille le plus. Mieux faut qu'il ce soit lui qui mette les. Qui transforme les veines de fer et de pierre en. Et lui il a 5, ok. En minerais normaux. Et lui, j'ai pas regardé à combien il était. Il a 10. Ok. Lui il est à combien? Il est à 12. Et lui il est à. Il est à 10. Ah c'est celui que j'ai avec moi qui est à 5. Non. Lui il était où? Je l'ai remis où celui qui était à 5? 10. 12. Là il n'y en a pas ici. Ah non, il est parti avec, ok. Oui, non, oui. 5, tu fais des allers-retours. Limite t'es un petit peu plus long, mais. C'est pas gênant. Je pourrais le laisser là, mais j'ai pas besoin d'autant de pierres. Ça. Vu que j'ai plus de stock de bois, mais qu'il y en a ici du stock, autant en profiter.
Voilà. Le miel tout ça c'est à l'intérieur. Donc là on le laisse poser. Ah il en prend deux par deux. Ah oui quand même. Plutôt efficace. Et toi tu vas me fabriquer ça à l'infini. C'est ce qui était prévu. Voilà. Ah il a fini le graphite. Ouf ouf. Là j'en ai plus. Tu vas me produire des lingots de fer. Donc lui produit des lingots de fer à l'infini. Lui produit des vis à l'infini. Et moi j'ai plus que. Je crois que c'était des planches. Non, c'est même des dosses. Donc en fait, une fois de temps en temps, j'arrive, je fais hop, une dosse. Là ça m'en fait 6. Hop, ça dure pas longtemps. Et je peux presque faire 2 caisses avec, avec ça. Alors que les pièces de fer complexes, je comprends pas pourquoi je vendrais des pièces de fer complexes alors que ça se vend aussi cher et que c'est vachement chiant à produire. Parce qu'il faut d'abord faire des pièces de fer simples, après il faut réutiliser. Il y en a peut-être que en compte de lingots c'est moins cher, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème. Ça aurait pu l'être si j'avais pas les zombies qui travaillaient pour moi. Combien de crânes ? 3. Oui, recette à base de miel, il y a quoi ? Miel gelée verte. Ça me paraît être le plus simple. Mais la gelée verte m'avait pas l'air très attrayante en quantité de nourriture. C'est surtout que voilà, j'ai du miel à l'infini. Là, faut que je mélange à la fois de la pomme et des baies. C'est embêtant. Miel gelée verte, ça va très bien. J'ai fait un truc à faire avec ce que je récolte de mes allées et venues dans le donjon. C'est le moment de célébrer le jour du Seigneur. Allons-y. Voilà, il a fait une histoire de qualité argent quand même. Faut pas bouder son plaisir, c'est pas non plus n'importe quoi. Il a mis 50 ans. Mince. Il a mis 50 ans, mais c'est une histoire de qualité. Essayer de faire forger des serments de meilleure qualité, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut. Je crois qu'il faut de la foi, donc flemme. Enfin, quelque part flemme, mais de l'autre côté, si ça se trouve, c'est investir pour en raccord, ramener plus après. Est tout de suite beaucoup plus intéressant. Oh, en plus quelqu'un
c'est confessé. Je ne regarde même pas quelques centimes que les gens me donnent. Oui, je vais quand même poser la foi. Donc là, je peux récolter 2 zombies de plus, 2 non-morts de plus. Si je ramène 10 carottes. Que soit marqué 2. Mais bon, tant pis. Alors lui, il est à combien? Il est à 10. Non. Je vais mettre celui à 18 ici. Ah oui, il produit bien mieux. Et celui à 10, il va me faire des... Il va me faire des carottes, hein. Alors ici on repose ça, on pose ça, on pose pas ça, on pose ça. Ici on pose ça, ça, ça et ça. Je vais peut-être gaspiller tout mon... Tout mon fer en fait, vu la vitesse où lui il va ici. Et la vitesse où ça va pour les légumes en bas. On est à combien de clous? Oh non, en fait, non. C'est bon, c'est bon. T'en as fait assez. Fais-moi quelques doses. Poum, poum, pim, pim, poum, poum, pim. Hop. Hop. Pour en faire une troisième, c'est bon. On va manger une petite tarte. Poum, 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 poum. Tu sais quoi? Tant qu'elle t'utilisait pour tout faire. Il les transporte bien une par une par contre. Très bien. Pas besoin qu'il en prenne plus. Il a 2 jours pour le faire, je pense qu'il l'aura fait. Je pourrais le mettre ailleurs. Ça par contre... Ça c'est plutôt bien. Bon, j'ai encore j'ai beaucoup de clous du coup, mais c'est plutôt bien. Très bien, ça m'a l'air optimisé tout ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si mettre 10 carottes, on a dit, pour avoir 2 zombies de plus. Que là il va bientôt me manquer du bois. Si je peux aussi produire le bois plus que je n'en ai besoin, au final, si je peux arriver juste lancer des lingots de fer
bouger un petit peu le zombie de temps en temps entre le fer et le... entre le fer et les dos. Et moi, m'occuper juste des... de faire les caisses. Ça peut aller très bien, très vite. C'est quand même vachement plus rapide et moins énergivore que dans Stardew Valley. Je sais, c'est pas le but du jeu, donc il n'y a pas besoin de demander autant d'énergie pour la même chose. De qualité. Argent. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ta caisse, toi? Pourquoi tu la ramènes? Il est plus lent que moi, mais... Il y avait déjà une caisse. Ok, il fait des allers-retours avec. C'est pas grave. Je vais voir si je peux retrouver le bossu rapidement. Que je dois faire ici, parce que Serpent m'a dit de lui demander le collier. Lui me dit que le maître, enfin le fils du maître, donc celui qui a très certainement le collier, il s'est barré. Donc en soi, je peux rien y faire apparemment, vu qu'il me dit pas. Vu que ni Serpent ni Koukol ne me dit comment améliorer ça, j'ai rien qui me dit tiens, tu peux améliorer ta relation avec lui, genre commercer, mais genre j'ai Koukol rang 2, rang 3 qui sont déjà débloqués. C'est pas comme, comme les autres où je me dis bah peut-être que en faisant beaucoup de commerce avec lui, au final c'est dans les trucs qui sont un peu cachés, je pourrais l'avoir. Et quand je lui parle, c'est commercer partir, donc il n'y a même pas de possibilité de discuter pour quelque chose. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment bloqué, quoi. Et du coup, mon gros souci avec ça, hein, c'est pas grave que ce soit bloqué, c'est que... non, c'est bon. Enfin, du coup... Oui, du coup, le collier, ça bloque toujours Mademoiselle Charme, en fait. Et le Necronomicon, il faut que je fasse de l'acide, il faut que je fasse des mélanges. Faut que je fasse des mélanges, faut que j'aille dans le donjon. J'avoue, j'ai eu la flemme jusqu'ici.
eux, depuis que moi je me suis enrichi, ils ont pas pu s'améliorer un peu. Elle est là, mademoiselle Charles. Punaise, j'ai totalement l'oublié. Oh, heureusement que je suis passé. Allez hop, je double mon cash. Pas de question. J'ai entendu parler de vous. Serpent m'a dit qu'il n'avait plus votre argent. Quel escroc! Vous ne pouvez donc rien faire pour aider la pauvre femme que je suis? À vrai dire, il m'a révélé où se trouve votre collier. Je vais tenter de le récupérer pour vous. Ok. Oh, vous êtes adorable. À propos de choses adorables, avez-vous déjà humé le parfum de Madame Chêne? Oui, il sent bon. Ah, même vous, vous l'aimez. Bien. Il m'en faudrait absolument un flacon. Pourriez-vous aller lui parler pour m'en obtenir un? Pourquoi ne pas lui demander vous pas? Pourquoi ne lui demandez-vous pas? Oh, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne m'aime pas. Elle est très jalouse de mon amitié avec Alice. Alice? Flacon de parfum. Je vais essayer de vous obtenir du parfum. Je pourrais même essayer d'en fabriquer moi-même. Du parfum. C'est le parfum de qui? J'ai oublié entre temps. Madame Chêne, c'est bien elle. À propos de votre parfum. Madame Chêne, pourriez-vous me donner un flacon de votre parfum? Il sent bon, n'est-ce pas? Mais j'en suis fatigué. Je vais en faire un nouveau. J'ai toujours un petit flacon de l'ancien. Je pourrais vous le donner, mais j'ai d'abord besoin d'un peu d'aide. Apportez cette nourriture à ma sœur. Elle habite au milieu du marécage. Et sur le chemin du retour, attrapez-moi une douzaine de grenouilles. J'en aurai besoin pour le nouveau parfum. 12 grenouilles? Je peux lui réacheter les recettes. Donc très bien, au moins. Je ne les achèterai que si j'en ai besoin pour une quête. Ça me semble bizarre. C'est bien de toutes les avoir achetées d'un coup. Moi, je ne me dirais pas, mince, c'est laquelle que j'ai pas achetée. Et 3 allers-retours. Jour de la... Est-ce qu'il y avait autre chose à voir avec mademoiselle Charme? Pardon, madame. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Obtenir un flacon de parfum, du coup, faut que je donne ça à Cloto. C'est quoi? Panier de nourriture, d'accord. Je vais passer par le sous-sol. Lui fait des allers-retours avec la caisse. Si je le prends comme ça, voilà. Exactement ce que je voulais, la caisse elle est ici. C'est pas grave si elle ne... si elle n'est pas utilisée tout de suite. Alors, je vais passer par le sous-sol pour poser mon histoire. D'ailleurs, je les avais redéplacées, les histoires. Non. D'ailleurs, je viens de réaliser, c'était le zombie qui était super rapide que j'ai... que j'avais mis là. Ah ouais, imaginez si j'avais mis celui à 5%. Voilà. Pourquoi j'ai ça sur moi? Personne ne sait. Et du coup, prochaine mission... très certainement pour le prochain épisode. Vu que ce qu'on a déjà dépassé l'heure. Prochaine mission, ça sera pêcher des grenouilles. Hein, faire du donjon pour avoir plus de poudre. Je pense que c'est tout. Mais
plutôt des grenouilles. Donnez la nourriture. Ceci est de la part de votre sœur. Il n'y a pas de bonne pomme. Je hais les pommes. C'est pour ça que tu vends des pommes d'or. Ah, à prix d'or. Ah. Ça coûte combien si je t'en achète 10? 79? Je prends. Parce que 10, je sais... Si j'ai pas la mémoire qui flanche, j'en ai une dans un coffre. Par contre, j'ai la mémoire qui flanche pour savoir où c'est que j'ai pêché tout ça. C'était en haut à droite que je voulais aller. Je crois. Ah, oh, le cadavre. Ah, je le sens mal ce cadavre. Pas là. D'ailleurs, si je teste. Non, les points d'interrogation, je ne peux pas y accéder avec ce que j'ai sur moi. Faudrait que je récupère des papillons ou des mythes. Voilà, j'avais perdu le nom. Alors, je ne pensais pas t'avoir streamé à 7h. What the fuck, je n'ai pas le son. Ah, pas de son? Ah, c'est bizarre. C'est vrai que je stream pas à 7h d'habitude. Du coup, au lieu de m'embêter à me souvenir la prochaine fois des grenouilles, je vais le faire tout de suite. Je parie que là. Je n'ai plus de place. On a dit grenouilles. Une. Pim pim poum. Pim pim poum. Que j'avais des grenouilles. Point de pêche ici. Là-haut. J'en avais pas dans les marais. Ici, dans les marais. Ça doit être dans les marais. Commencer par ici. Alors. En fait, c'est pas que je sais plus, c'est que j'ai jamais été. Ah. Plus d'énergie. Très bien. Thank you.
anguille. Et j'ai 50% de chance d'avoir autre chose. On croise un peu les doigts pour que ce soit des grenouilles. J'avais perdu le mot. Anguille. J'ai besoin de récupérer qu'une seule fois l'autre. Et que ce soit une grenouille, ça fait quand même un « et ». Et après je m'arrête. Vu que j'ai pu lui acheter des grenouilles. Et non, c'est un tilapia. Tilapia, tilapia. Si je cueille ça, est-ce que ça peut servir comme... Ça ne sert pas comme appât. Bon, bah, mauvaise pioche. Est-ce que c'est possible de rejoindre? Non, faut faire tout le tour. Ça m'embête de voir le faire à chaque fois, vu que je vois par où il faut le prendre. Je vais en profiter. Bini bim boum. Poulou pou pou pou. Donc oui, j'aurais pas fait toute la mission en une journée, mais ça aurait été très improbable. Et je me rends compte que j'ai 100% zappé la livraison de cadavres. 90%. C'est juste, ça se trouve, ça passe. Enfin, il sera à 89, 88 au moment de le faire revivre. C'est pas garanti. Corps est pourri. Ok, prendre. Boum, boum, bim. Peut-être dû le cramer celui-là. Il était pas ouf. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais, non, le cannabis par contre, c'était pas intéressant à utiliser. Hmm.
Est-ce que si je te mets... Non, tu veux pas. Est-ce que tu veux être là? On peut faire une production continue et autonome de caisses. Que je peux faire? On ira dormir là-haut, je pense. Dans les temps de la ville. Oh, bah, trop tard, hein, c'est trop loin. Oula, petit saut d'image. Rien de très grave. Ok, eux ils avancent. Et lui il avance suffisamment bien pour n'avoir plus rien à faire. C'était où? Là il y a le fer. Ah oui, c'était à droite le... charbon. Je commence à force d'avoir... Enfin, j'ai fait trop de... Oh mince. Sérieusement. Pioche aiguisée et tout. Passer par là et je vais finir. Hein. Chaque fois je fais plein d'allers-retours, c'est parce qu'après on a les poches remplies très vite, donc vaut mieux faire un petit aller-retour de plus, ne pas oublier de se vider les poches surtout. Au sous-sol.
On met ça. Le poisson là-haut. Et champignons dehors. Et après, ça devrait être bon. Après, je devrais avoir vidé tout mon inventaire. Ici. D'ailleurs, les plantes, tout ça en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, ou si j'ai loupé des trucs, si j'ai dit des choses que j'ai pas fini de raconter, ou que vous voulez que je parle de n'importe quoi en fait. Que ce soit sur me faire réfléchir sur un craft qu'on pourrait faire, ou automatiser autre chose avec des zombies, ou je ne sais pas. À vous de voir. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas, soyez libre. Je vous dis à très bientôt.